Les femmes scientifiques sortent de l'ombre, les maths à la une. Merci de nous rejoindre pour cette rencontre avec deux femmes de science, Emmanuelle Auriol et Anne-Ruise Gazin. Bonjour. 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 C'est un nouveau temps fort de cette journée spéciale 8 mars qui est le fruit d'un partenariat entre le Quai des Savoirs, le CNRS Occitanie, le Club de la Presse Occitanie, Wikimedia et puis deux associations, Femmes et Sciences et Maths en Seine. Le Club de la Presse que je représente est engagé pour l'égalité entre les femmes et les hommes au travers notamment d'actions Femmes et Médias et donc au rendez-vous de cette quatrième édition. Des femmes scientifiques sortent de l'ombre et donc nous sommes ensemble jusqu'à 19h15. Un échange qui est diffusé en streaming et qui sera aussi en replay sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs. Et puis tout à l'heure, pour clôturer cette journée dédiée aux femmes et aux maths, les spectateurs ici au Quai des Savoirs pourront assister à un conte dit par Marie Luissier, qui est à la fois une mathématicienne et une conteuse. Alors pour l'heure, cet échange est consacré à cette question, choisir les mathématiques, pourquoi c'est important pour les femmes ? Question posée donc à Emmanuelle Auriol et à Anne-Ruise Gazin, une mathématicienne et une économiste, afin d'éclairer le sujet sur plusieurs facettes. Les mathématiques sont une porte d'accès, en fait, privilégiée à de nombreux métiers, et notamment aux métiers du numérique, qui sont actuellement extrêmement créateurs d'emplois, et puis bien sûr aux carrières scientifiques. Et donc, l'implication des femmes dans les carrières qui nécessitent d'avoir une formation scientifique est un sujet d'actualité. Si on n'a pas, comme c'est assez le cas aujourd'hui, assez de femmes, eh bien la société se prive d'une part importante de jeunes scientifiques pour faire face aux nouveaux enjeux, à la fois économiques, technologiques, sociétaux aussi. Et le problème, on va aussi le voir, c'est que la tendance est à l'aggravation de ce constat, puisque la réforme du lycée a accentué les inégalités filles-garçons sur la question des maths. Alors, nos deux professeurs et chercheuses qui expliquent ce que l'on peut faire avec les maths et pourquoi il faut changer son regard sur les mathématiques et sur une discipline souvent mal comprise. Vous aurez la possibilité, au fil de l'eau, de leur poser les questions et donc vous pourrez avoir le micro. Alors, les maths et vous deux, vous qui êtes mathématicienne et économiste, peut-être Anne-Ruise Gazin, donc enseignante-chercheuse en mathématiques appliquées à l'Université Toulousain Capitole et à Toulouse School of Economics, associée également à l'Institut mathématique de Toulouse. Est-ce que vous êtes mathématicienne et qu'est-ce que cela signifie ? Alors, effectivement, je suis mathématicienne. Je suis en fait en mathématiques appliquées. Précisément, je fais de la statistique, je suis statisticienne. Donc c'est vrai que j'ai fait des études de mathématiques. Alors j'ai fait des études de mathématiques pures. Alors peut-être je peux un peu expliquer l'idée déjà de cette séparation entre mathématiques pures et mathématiques appliquées. L'idée en fait c'est que quand on fait des mathématiques pures, on ne s'intéresse pas spécialement aux applications. On s'intéresse aux objets mathématiques, hein, avec tout le formalisme, la théorie qui va derrière, mais sans chercher à appliquer ce qu'on fait. Quand on fait des mathématiques appliquées, par exemple de la statistique, eh bien, on va chercher à partir d'un problème donné. Je peux peut-être donner un exemple de quelque chose qui m'intéresse en ce moment. Donc, j'ai au moins deux exemples très appliqués en tête. Le premier, c'est je travaille avec Airbus. Donc, Airbus construit des avions, vous le savez tous. Et donc, je travaille notamment avec le département électrique d'Airbus qui se pose des questions de maintenance prédictive, donc
prédire finalement les problèmes éventuels que peuvent avoir des générateurs électriques, en sachant que c'est un domaine qui est extrêmement sécurisé, donc pas besoin d'avoir peur avec ce type de problème, mais il demande aux statisticiens, donc il m'avait demandé de travailler dans le cadre d'une thèse CIFRE sur des problèmes liés à cette maintenance prédictive, et donc derrière ce sont des méthodes statistiques nouvelles. C'est en ça que je fais des mathématiques, parce que je développe des outils statistiques nouveaux pour répondre aux problématiques, aux questions que se pose Airbus. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple de mathématiques appliquées que je fais. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur les sondages. Voilà, alors ça, c'est un deuxième exemple. Donc, c'est vrai que je m'intéresse aussi à des problèmes de sondage. Alors, dans des grandes enquêtes, donc c'est vrai que ce n'est pas les petits sondages des instituts, c'est plutôt des grandes enquêtes nationales. Donc, notamment avec l'Institut national d'études démographiques, qui fait des grosses enquêtes longitudinales, par exemple sur le suivi d'enfants depuis la naissance. Donc, j'avais travaillé sur une grosse enquête là-dessus. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, vous avez toute une méthodologie d'enquête, en particulier un tirage d'échantillons, dans l'occurrence des bébés qui étaient échantillonnés en France. Et c'est vrai que derrière ça, vous avez à voir des questions de mathématiques qui se posent. Comment le tirage est fait? Pourquoi il est fait comme ça? Quels résultats on va obtenir à partir de ce type de tirage? Et moi, je vais travailler là-dessus, là, encore une fois, avec une étudiante en thèse, pour comprendre derrière les problématiques et avec les outils mathématiques, avec la théorie, être capable d'apporter des réponses, fondées, hein, théoriquement, sur les résultats que des biologistes, hein, éventuellement, ou des économistes vont donner à partir de ces enquêtes, de ces relevés, de ces échantillons sur les bébés qui auront été prélevés. Voilà, donc ça, c'est le type de choses que je fais en mathématiques appliquées. Donc, il y a cette distinction, souvent, entre mathématiques pures, mathématiques appliquées. Moi, je suis plutôt du côté des mathématiques appliquées, mais les outils que je manipule, c'est reste des outils mathématiques que manipulent aussi des gens des maths pures, simplement. Je m'intéresse derrière aux applications et à ce que je vais faire avec ces outils, voilà. Ça, pour être mathématicienne, il faut avoir fait de longues études. Alors, bon, en l'occurrence, pour être chercheur, oui, il faut avoir fait un doctorat, donc il faut avoir fait des études. Ensuite, bon, on peut considérer quand même qu'on a fait des maths, je considère, à partir d'une licence de mathématiques. Déjà, on connaît un petit peu, on va dire, on a des outils de base en tête. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose que je peux préciser, c'est dire qu'il y a, à mon avis, une différence entre les outils qu'on apprend au collège et au lycée, qui, à mon avis, sont accessibles à beaucoup de monde, parce que c'est beaucoup de répétitions quand même. On ne nous demande pas tant que ça d'imagination quand on regarde ce qui est posé en exercice ou en problème au collège et au lycée. Et comment après, finalement, les outils qu'on va apprendre en licence, et puis même éventuellement après, sont des outils, à mon avis, qui sont, parce qu'ils sont plus complexes, demandent davantage, on va dire, d'imagination, peut-être de compétences plus propres à des mathématiciens que dans d'autres domaines, mais ce n'est pas le cas, à mon sens, des outils qu'on demande en collège ou en lycée, quoi, par exemple. Alors, votre regard, Emmanuel Auriol, sur les mathématiques, vous qui êtes économiste, professeur et chercheuse à Toulouse School of Economics et à donc l'Université Toulousain Capitole, vous êtes également membre du Conseil d'analyse économique. Quel est votre métier? En quoi les maths sont-elles impliquées? Alors, moi, contrairement à Anne, donc, j'ai une formation d'économiste et donc d'économie statisticien. L'économie, on utilise effectivement alors, un peu de maths, puisqu'on optimise hein, beaucoup de choses. On a des modèles où on fait l'optimisation. Et après, on utilise comme outil exploratoire hein, pour essayer d'établir des causalités hein, entre A implique B, des statistiques. Donc, mais pour moi, contrairement à Anne, ce n'est pas quelque chose que je développe. Pour moi, c'est un tournevis. Voilà. Je m'en fiche de savoir comment le théorème il a été démontré, du moment qu'il marche, voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. De même que vous utilisez un portable, vous ne voulez pas savoir forcément comment il est fabriqué, comment il a été conçu, vous voulez qu'il marche. Hein. Ben, pour moi, les maths, c'est ça. Et je pense que c'est important que notamment les jeunes filles qui sont en ce moment au collège et au lycée comprennent que c'est un tournevis, qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser un tournevis. Par contre, ne pas faire du tout de mathématiques, ça veut dire, par exemple, si moi j'avais fait ce choix plus jeune, je ne pourrais pas être économiste aujourd'hui. Et j'adore mon métier. Je trouve que c'est un métier extrêmement important, formidable. Évidemment, je l'ai choisi. Mais je pense que si on choisit la biologie, c'est pareil. Donc, c'est un outil très utile, indispensable, en fait, dans la plupart des disciplines scientifiques.
et ne pas avoir fait de mathématiques tôt, avoir arrêté tôt, ça veut dire qu'on se ferme ces portes-là. Donc c'est quelque chose, moi je suis heureuse d'avoir pas fait ce choix-là, en fait, d'avoir fait un bac scientifique à l'époque, parce que ça m'a permis ensuite de faire ce que je voulais, c'est-à-dire l'économie, et là j'ai découvert qu'effectivement j'avais besoin de cet outil. Mais il ne m'intimide pas, hein, je m'en fous de développer des outils mathématiques. Moi, pour moi, il faut que ça marche, voilà. Alors, faut que ça marche, c'est un outil et ça ne vous intimide pas. Il y a comme une sorte de réflexion par rapport à votre relation avec les mathématiques. Et de fait, on a le sentiment que, en tout cas en France, il y a plutôt une répulsion à l'égard des mathématiques. Et même, on entend souvent des gens dire « j'aime pas les maths ». Et d'ailleurs, il y avait un documentaire qui s'appelle, vous pouvez le retrouver, qui s'appelle « Comment j'ai détesté les maths ». Et Cédric Vellani, qui est médaillé Fields, se poser la question sur ce désamour, et il disait une phrase qui est quand même assez rigolote, il disait « ils sont tellement nombreux à dire qu'ils étaient les derniers, comment pouvaient-ils être autant de derniers ?» Donc c'est presque pas de la logique ce rapport un peu amour-défiance par rapport aux maths. Pourquoi ? Et est-ce qu'il y a un problème spécifique en France ? Alors moi là je parle en tant que mère, mes enfants à l'école primaire aujourd'hui ils ont eu des enseignants très très bien, mais qui, pour la plupart, venaient de filières littéraires et qui, eux-mêmes, détestaient les maths. Alors, c'est très, très difficile, je pense, d'enseigner les maths et de faire aimer les maths à des enfants si, soi-même, on a été traumatisé par l'enseignement des maths. Il y a eu des erreurs aussi. Je me souviens notamment d'un enseignant au collège. Ils n'avaient jamais été notés, puisqu'ils ne sont pas notés en primaire. C'est des compétences en cours d'acquisition, etc. Là, vous êtes noté pour la première fois de votre vie. Le professeur de mathématiques rend les copies. Il y avait 35 élèves. Il dit, je vous préviens, tous ceux qui ont moins de 15 en maths, vous êtes nuls. Voilà. Moyennant quoi, à la fin de l'année, il y avait 4 élèves qui avaient plus de 15. Tous les autres étaient nuls. Si vous dites à des gens qui sont nuls en maths, alors que je suis d'accord avec Anne, c'est pour ça que j'insiste que c'est un outil. Les maths, d'abord, c'est un jeu. Si on est capable de faire un sudoku ou quelque chose, on est capable de faire des mathématiques. Et puis, au niveau du collège et du lycée, c'est quand même souvent qu'un tournevis. Ce n'est pas plus sophistiqué que ça. Et donc, je pense qu'il faut vraiment changer le regard sur les mathématiques. Et en particulier, peut-être, imaginer que des enseignants spécialisés, comme des profs d'anglais viennent enseigner l'anglais, ben, que des enseignants spécialisés viennent enseigner dans aux primaires les maths. Parce que vous ne pouvez pas demander à des gens qui détestent ça de l'enseigner à des enfants. Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Anne Ruiz-Gazin, est-ce qu'il y a un moment, alors je ne sais plus si on utilise toujours cette expression, mais la bosse des maths, comme s'il y avait des prédispositions. Est-ce qu'il faut avoir des prédispositions pour faire des mathématiques ? Alors, je pense que ça dépend ce qu'on veut faire. Si c'est pour faire ce que fait Cédric Villani, je pense qu'il faut quand même certaines prédispositions. Mais si on veut s'en servir comme un outil, exactement comme le décrit Emmanuel, moi, je ne crois absolument pas qu'on a des prédispositions. Je pense qu'il faut, travailler les mathématiques, évidemment, comme n'importe quelle matière où on veut progresser, n'importe quel domaine où on a envie de progresser. Donc, il faut travailler. Je pense que quand on répète, si vous regardez des exercices de niveau collège ou lycée, il y a beaucoup d'exercices qui sont toujours les mêmes. Donc, la première fois, on ne sait pas le faire. La deuxième fois, peut-être pas. Puis, à force, on va finir par apprendre à le faire. Donc, je ne crois pas à la bosse des maths. Moi, personnellement, j'avais pas la bosse des maths. J'étais quelqu'un de scolaire qui travaillait beaucoup. Donc voilà, pour arriver à savoir faire du calcul, j'ai fait beaucoup, beaucoup de calculs. Donc quand on passe du temps à travailler quelque chose, voilà, on devient fort dans le domaine. Donc je ne pense pas du tout qu'il y ait une prédisposition. Je trouve que c'est un peu triste que les gens pensent ça, que ça, c'est une espèce de cercle vicieux finalement, parce qu'on s'imagine qu'il faut ça, donc on dit vite fait, on ne l'a pas, ce qui est complètement faux, enfin, évidemment. Mais ça facilite aussi peut-être le fait de dire que les gens disent rejettent toute cette partie de raisonnement. Ben, ça veut dire qu'ils ne font plus d'efforts pour essayer de comprendre, même des choses de base, et c'est là où ça devient triste. Et voilà, donc, et après, ben, ils répètent ça. Donc, ils sont nuls, donc voilà. Donc, on est mauvais, on ne sait pas, c'est des maths, donc on ne veut pas voir. Et bon, moi, je pense que c'est triste qu'on en arrive là. Alors, effectivement, il y a l'impact de l'enseignement. Je pense que c'est sûr que ça aide d'être entouré de gens qui aiment une matière pour vous la faire aimer. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense aussi que c'est peut-être un peu de la part de chacun une facilité. Une facilité de se dire j'aime pas, je ne veux pas en entendre parler. Et puis on ferme son cerveau. Et le cerveau ne va pas développer des connexions. Hein. On sait que les connexions entre les neurones, ça se développe au quotidien.
Et à partir du moment où ça ne se développe pas, ben évidemment, on ne peut pas être fort en mathématiques si on n'en fait jamais. Il y a aussi des initiatives, bon, peut-être comme celle d'aujourd'hui et comme celle de Maths en scène, qui permettent d'aborder aussi les maths différemment, aussi par le jeu, et là, en l'occurrence, par la scène. Ça, c'est peut-être une des solutions. Vous faites partie d'une association qui s'appelle Femmes et Mathématiques, et c'est une association qui a très récemment alerté sur la question de l'aggravation des inégalités entre les filles et les garçons en mathématiques au lycée, et aggravation assez récente liée au choix des enseignements de spécialité. Effectivement. Vous avez. Oui, il y en a. Vous êtes venu avec quelques éléments. C'est ça. Donc, voilà. Pardon. J'y ai arrivé. Oui, donc en fait, il n'y a pas que l'association Femmes et Mathématiques qui a alerté. En fait, c'était un ensemble d'associations et de sociétés savantes liées aux mathématiques qui ont transmis ce message au ministère. Donc, en fait, ce que vous voyez sur le slide là, qui est devant vous, ce sont un certain nombre de courbes. Donc, en fait, chaque point correspond à une année. Vous avez la courbe verte en haut, puis la bleue, la violette et la grise. Et vous avez, en fait, de 2010 à 2021, des proportions de filles. Donc, si vous regardez la courbe tout en haut, c'est la proportion de filles qui se retrouvent en terminale générale. Et vous remarquez que c'est un petit peu au-dessus de 50%, c'est à 56%. Donc, il y a davantage de filles en terminale générale que de garçons. Et puis, en fait, plus vous allez descendre dans les courbes, plus, en fait, ça correspond à une population de personnes qui font des mathématiques, donc de plus en plus de mathématiques. D'accord ? Donc la deuxième courbe en bleu, ça va correspondre à des filles qui font des mathématiques dans leur cursus. D'accord ? Et ce qui se passe à partir de 2020, donc les deux dernières années, c'est la réforme du bac. Et donc l'enseignement de spécialité en mathématiques a changé, hein, la façon dont il est délivré. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'on voit un décrochage, et un décrochage qui est significatif, qui est important. Et ce décrochage est d'autant plus grand que vous allez vers le bas des courbes. Et la courbe en bas, la courbe grise, correspond en fait à des personnes qui suivent un enseignement mathématique poussé. D'accord ? Donc c'est plus de 8 heures par semaine. Et en fait, vous remarquez qu'il y avait une légère progression, en tout cas, il y avait une stagnation au minimum entre 2010 et 2019. Et qu'ensuite, on passe entre 2019 et 2021 de 41% à 31%. Donc les filles disparaissent de ces études de mathématiques poussées. Et c'est quand même assez dramatique, surtout qu'il y a des études qui montrent que ce seuil de 30%, il est important parce qu'en deçà, en fait, il y a un effet un peu répulsif, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait moins de femmes ou de filles dans ces types d'enseignement, eh bien, ça décourage les autres d'y aller. Donc voilà, on est quand même très inquiet avec cette réforme qui finalement dégoûte les femmes des mathématiques. Donc manifestement, en 2017, donc il y avait encore 43, enfin il y avait 43%, donc il y a une énorme chute. Est-ce que les choses vont changer ? Est-ce que parce qu'en fait, il y a cette alors suite à ça, les maths sont sortis du tronc commun, en fait, c'est ça. C'est ça. Donc exactement. Donc en fait, on a la possibilité d'abandonner les mathématiques à partir de la première. Et en fait, l'enseignement de spécialité de première est un petit peu difficile. Enfin, on va dire qu'il était plutôt d'habitude réservé aux filières scientifiques. Donc, c'est vrai que du coup, ben voilà, il y a des gens qui se découragent. Après, en terminale, c'est difficilement rattrapable. Et donc, voilà, donc on a ce phénomène. Alors, on essaye de faire bouger les choses. Hein. Au niveau du ministère, les associations se sont battues pour faire bouger les choses. Ça bouge un peu, mais pas autant qu'on aimerait. Donc voilà. Donc, ça, c'est un petit peu... C'est un petit peu dramatique qu'on aille vers une décroissance comme ça de la proportion de femmes dans les études mathématiques. Avec des effets potentiels, évidemment, et assez directs sur les carrières des femmes. On va l'évoquer dans un instant, mais peut-être que vous avez déjà des questions. Francesca va vous donner un micro si vous avez déjà des questions pour nos deux invités. Oui, bonsoir. Vous avez un peu parlé des prédispositions qu'il fallait pour faire des mathématiques. Donc, il n'y a pas forcément de boss des mathématiques, mais il faut certaines qualités. On a parlé d'imagination. Est-ce que, selon vous, il y en a d'autres ? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon mathématicien ou une bonne mathématicienne ? Ou pour avoir suffisamment confiance pour se lancer dans ces études-là, selon vous ? Alors là, on parle des études de mathématiques, donc ce n'est pas nécessairement les mathématiques simplement comme un outil, c'est pour continuer. Moi, je crois que la première chose, c'est qu'il faut aimer ça. Les mathématiques, alors c'est aussi quelque chose dont on peut un peu parler, c'est qu'une des raisons peut-être pour lesquelles les gens n'aiment pas trop, c'est que c'est pas très visible. Je veux dire, ce que les résultats, si vous voulez faire du champ,
on va savoir, soit même si vous chantez bien, parce qu'on va vous entendre. Si vous progressez en mathématiques, ça ne va pas se voir très facilement, finalement, dans le quotidien. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu, à mon avis, un peu secret. Et c'est déjà quelque chose qu'on doit avoir en soi, d'aimer ça. Et pour aimer ça, moi, je crois, enfin, ma vision des choses, c'est qu'il faut prendre plaisir à en faire, mais aussi, en tout cas, moi, mon expérience, ce qui me fait dire que j'aime les mathématiques, c'est que j'adore qu'on m'explique des problèmes mathématiques, qu'on me montre un raisonnement et qu'à la fin, on démontre quelque chose en passant par le raisonnement. Je ne suis pas comme Emmanuel qui dit que ça lui est égal. Moi, ça fait partie des choses que j'aime. Avoir des hypothèses, un raisonnement et arriver à une conclusion et que je vois tout ce puzzle qui se met en place quand on va me l'expliquer, par exemple, ou que moi, je vais travailler dessus en tant que chercheuse, j'adore ça. C'est quelque chose qui me procure énormément de plaisir. Donc, je pense qu'il faut aimer les mathématiques et aimer ce type de raisonnement. Mais ça, c'est si on veut faire des études de mathématiques. Donc, ensuite, voilà. Il y a d'autres, évidemment, il y a tellement d'autres carrières qui demandent d'utiliser les mathématiques comme un tournevis et qui ne demandent pas ces qualités-là, que voilà, il faut distinguer, je pense vraiment, ces études de mathématiques qui sont peut-être effectivement pas données à tout le monde, mais comme toutes les études, hein, voilà, personnellement, j'aurais eu du mal à faire sans doute des études d'histoire, par exemple. J'étais pas motivée par ça, ça me donnait pas envie, donc voilà. Donc, les qualités, je pense qu'il faut de la persévérance. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter dès qu'on n'arrive pas. Je pense aussi qu'il faut accepter de se tromper. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après finalement mes études au lycée. C'est qu'en fait, quand on nous apprend les mathématiques au collège ou au lycée, je trouve que ça peut être relativement rébarbatif parce qu'on nous apprend, on nous dit, voilà, tu as cet exercice, tu le fais comme ça et on apprend une technique. Alors, c'est rassurant, mais en fait, quand on fait des mathématiques plus poussées, ce n'est pas comme ça que ça marche. On nous pose une question et on essaye de trouver une façon de le résoudre, mais il y en a beaucoup de possibles. Et on peut se tromper dans la façon de le résoudre, mais c'est en se trompant qu'on va aussi beaucoup apprendre. Donc il faut accepter aussi l'erreur, être capable évidemment à un moment donné de la voir ou de se faire corriger. Et ensuite, avec ça, avec cette capacité de se tromper et d'hésiter et de finir par trouver le bon chemin et d'apprendre grâce à ça. Alors pour poursuivre sur les données que vous avez apportées toutes les deux, on constate aussi une inégale représentation des femmes selon les disciplines d'enseignement. Et ça, c'est aussi un des enseignements de ces éléments que vous avez face à vous, Emmanuel Auriol. Oui. Alors là, non, c'était plus pour encourager justement les femmes à faire de la recherche. Et donc là, ce que vous voyez sur ce graphique, hein, c'est donc différentes disciplines. Il y a géosciences, économie, sciences de l'ingénieur, maths et sciences du calcul, sciences physiques, sciences de la vie, psychologie et sciences sociales. Et donc, en foncé, vous avez la proportion par rapport aux hommes du salaire des femmes qui étaient donc au rang le plus haut aux États-Unis, c'est-à-dire full professeur. C'est des femmes qui sont titularisées au niveau professeur. Et en clair, vous avez la même chose en 2010. Donc, c'est en 95 en foncé et en 2010 en clair. Qu'est-ce que vous constatez donc en regardant ce graphique? Plusieurs choses. D'abord, pour la plupart des disciplines, et en particulier pour la totalité des disciplines scientifiques, c'est-à-dire géosciences, engineering, maths, sciences physiques et sciences de la vie, le salaire des femmes a augmenté comme proportion de celui des hommes. En particulier en maths, vous voyez que les femmes aujourd'hui aux États-Unis gagnent plus que les hommes. Hein, elles sont au-delà de 100%, donc, enfin de 1, hein, donc alors, en moyenne. Alors pourquoi c'est comme ça? Alors par contre, une discipline, évidemment, je ne devrais pas le dire, mais qui est terrible, c'est celle de l'économie, puisque vous constatez que ma discipline, au contraire, le salaire des femmes s'est effondré par rapport à celui des hommes, et c'est de fait une discipline où il y a beaucoup de discrimination. C'est-à-dire que quand on mesure la probabilité, par exemple, qu'une femme soit titularisée
deviennent donc full professeurs sur la base d'observables, parce qu'évidemment, on ne peut pas comparer juste les sexes, il faut comparer la productivité des gens. Donc, sur la base des publications, sur la base des citations, sur la base du vintage, donc de l'âge de leur thèse, sur la base de d'où elles ont fait, etc., de leur notoriété, elles ont 20% de chances de moins qu'un homme d'avoir cette promotion, hein, à observable égal. Donc, c'est vraiment une discipline qui a attiré beaucoup l'attention dans les, même le grand public, hein, New York Times et compagnie, en France aussi, parce qu'elles sont discriminées. Par contre, ailleurs, et notamment dans les disciplines plus dures, hein, enfin plus dures au sens scientifique, elles ne le sont pas. Alors pourquoi ? Ben parce que, et Anne le confirmera, quand on est mathématicien, l'output, enfin, ce qu'on produit, ce n'est pas tellement discutable, d'accord ? Ce n'est pas subjectif, hein, c'est juste ou c'est faux, c'est un problème compliqué ou c'est un problème pas compliqué. Voilà. Mais tout le monde a les mêmes problèmes ouverts et tout le monde peut les résoudre s'il veut. Si vous y arrivez, vous aurez le respect et les promotions qui vont avec. Dans des disciplines comme la mienne, où il y a une dimension de subjectivité, hein, on fait de la modélisation, par exemple. Oui, mais pourquoi cette hypothèse ? Pourquoi pas celle-là ? Tu as mis l'accent sur ça, mais moi, je pense que c'est ça qui est important. Bon, là, on rentre dans le subjectif. Évidemment, les discriminations sont plus fortes. Donc, ce que j'essaie de dire longuement, peut-être je devrais dire plus rapidement, c'est que s'il y a des jeunes filles qui nous écoutent, qu'elles ont envie de faire des carrières scientifiques, c'est pour elles. Hein, c'est des bonnes carrières pour les femmes, parce que d'abord, moi j'adore mon métier, je pense qu'Anne aussi, c'est formidable d'être avec des gens intelligents, de choisir ses sujets de recherche, d'avoir des étudiants intelligents. Voilà, on vit dans un milieu qui est très privilégié, on gère son temps comme on l'entend, ce qui peut être un atout aussi. Et en plus, voilà, quand on choisit les maths, on gagne plus que les hommes, en tout cas aux États-Unis. Donc ça vaut le coup, non ? Par contre, du côté de l'économie, Oui, mais venez quand même. Regardez, je fais envie, non ? Je sais pas. Alors vous, Emmanuel Auriol, vous avez piloté le comité femmes en économie de l'Association européenne d'économie, et justement, vous avez participé à des travaux de recherche sur les discriminations en économie, parce que vous avez quand même ce fameux tournevis, la possibilité d'objectiver ces discriminations. Alors ça, c'est un très gros avantage qu'on a en économie, c'est qu'on peut s'étudier soi-même. Donc on applique les outils qu'on utilise en recherche, par exemple, quand on étudie le marché du travail, on peut étudier notre marché du travail. Donc il y a beaucoup de... Donc les études de genre étaient autrefois un petit peu une niche là méprisée par la profession masculine. Mais aujourd'hui, du fait, en fait, des statistiques que nous a montré Anne, c'est-à-dire du fait que, si vous avez bien vu, hein, 56% des bacheliers sont des bachelières, et dans les pays de l'OCDE, tous les pays de l'OCDE, y compris la France, 60% des diplômés du supérieur sont des femmes, et c'est comme ça depuis plus de 20 ans. C'est pour ça que MeToo, ce n'est pas par hasard, hein, c'est parce que toutes ces femmes diplômées, elles acceptent plus, enfin, elles acceptent pas qu'on ne les considère pas au niveau de leur diplôme. Donc, voilà, de ce fait, je ne sais pas ce que je disais, je me suis un peu perdue dans mon... Voilà. Vous avez la possibilité de modéliser, oui, et donc, de représenter, enfin, ces discriminations. De nous étudier nous-mêmes. Donc, maintenant, des femmes qui sont des femmes très respectées en recherche se sont mises à étudier ce sujet parce qu'elles ont constaté, notamment les Américaines, enfin celles qui sont basées aux États-Unis, la discrimination est très forte aux États-Unis, plus qu'ailleurs, qu'il y avait ce problème-là. Et donc, nous, ce qu'on a fait, moi, quand j'étais le chair de Women in Economics de l'European Economic Association, on a lancé, en fait, une étude pour justement étudier ça plus en Europe, parce qu'on n'avait aucune donnée en Europe. Et donc, ce qu'on a fait, on a battu les Américains, ils font des surveys très, très classiques à la papa. Nous, on a fait un web scrapper, et donc, on va dans les... Vous pouvez nous expliquer ça, les deux ? Surveys, web scrapper. Dans les surveys, hein, c'est juste que vous envoyez tous les ans au labo américain, ils envoient tous les ans un questionnaire pour savoir combien de femmes il y a, combien d'hommes, à quel rang, voilà, depuis combien de temps, etc. Bon. Alors, vous avez toujours les problèmes que les gens répondent plus ou moins, des fois ils ne répondent pas. Donc c'est pas très systématique, il y a un biais de sélection parce que ceux qui répondent, alors en général c'est les plus vertueux, donc vous n'avez pas forcément ce que tout le monde, etc. Donc nous, ce qu'on a fait,
on a utilisé donc un web scraper qui est allé collecter en fait sur les pages web des départements d'économie du monde entier les CV des gens. On a appliqué un algorithme et une reconnaissance faciale pour savoir si c'était une femme ou un homme, etc. Donc, comme ça, on a pu avoir une base de données qui est beaucoup plus exhaustive. Et on a trouvé alors des choses très intéressantes, notamment en Europe. C'est un marché qui est, en tout cas pour l'économie, à la moitié, plus que la moitié des meilleurs centres au monde. Hein. Donc, évidemment, tout le monde connaît Harvard, MIT. Eux, c'est le top. Mais bon, sur les 300 meilleurs labos du monde, il y en a 90 à peu près aux États-Unis, 120 en Europe, et j'enlève des centres qui ne sont pas des universités, en fait. Donc, l'Europe, d'abord, c'est un centre donc, de recherche important. Ce n'est pas une surprise. On est une zone économique très riche, donc on finance de la recherche. Mais c'est très fragmenté. Hein. Donc, par exemple, nous, on a eu beaucoup de mal parce que quand on doit associer les gens, les genres, les hommes et les femmes à des rangs hiérarchiques, il y a plus de 1000 rangs hiérarchiques en Europe. Enfin, plus de 1000 titres différents. En Allemagne, il y en a 25 000. En France, alors maître de conf, chargé de recherche à l'INRA, etc. Alors, ce n'est pas professeur, assistant de professeur, associé. Pas du tout. Donc, vous voyez, on a découvert des choses comme ça. Et le marché européen aussi est très hétérogène en termes, justement, de parité, c'est-à-dire en termes de... Là où il y a le plus de femmes en économie, c'est à l'Est, parce que c'était un truc méprisé par les soviétiques. Ils faisaient la planification. Alors, étudier l'économie, bof. Donc, c'est un truc de filles. Voilà. Alors, ça reste. Il y en a moins, évidemment, dans d'autres pays. Et donc, ce papier qu'on a écrit, un papier, il est accepté dans PNAS, qui est une très bonne revue, enfin, voilà, généraliste. Donc, on est très contents. Donc, je vous encourage à le lire. Il est sous embargo encore, mais bientôt, vous pourrez le lire. Anne Ruiz-Gazin, est-ce qu'il y a des discriminations en maths? Bon, manifestement moins qu'en économie, mais cela dit, quel est votre constat? Alors moi, je n'ai pas ressenti de la discrimination en mathématiques. Alors après, je suis à l'université Toulousain Capitole, à l'école d'économie. Je suis quand même entourée de beaucoup de femmes mathématiciennes, il faut le dire. Du coup, ça peut peut-être jouer. Je sais qu'il y a quand même certaines universités, certains laboratoires de mathématiques, et encore une fois, peut-être plus côté mathématiques pures, notamment, où il y a beaucoup d'hommes. Donc, je ne sais pas trop comment ça... Je ne suis pas tellement capable de répondre à ça. Moi, dans ma vie quotidienne, je ne ressens pas ça. Quand j'envoie un article à une revue, je n'ai vraiment jamais le sentiment que parce que je suis une femme, voilà, je vais être discriminée. Et bon, c'est ce que dit Emmanuel, quoi. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose que je vis au quotidien, la discrimination féminine. Est-ce qu'il y a une forte représentation des femmes parmi les professeurs de mathématiques? Oui, alors dans mon université, ce n'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà, après, bon, on vieillit, donc est-ce que ça va rester vrai? C'est des petits effectifs hein, aussi, donc il faut bien se dire que ça peut être vrai sur une période et pas vrai sur du long terme. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. Mais la grosse différence, à nouveau, c'est entre les mathématiques appliquées et les mathématiques pures. En ce moment, en France, la situation, elle est, si on parle de recherche, elle est catastrophique pour les professeurs d'université en mathématiques pures. Les femmes sont en train de complètement disparaître. Dans quelques temps, on n'en aura plus. Donc, alors qu'en mathématiques appliquées, c'est beaucoup plus équilibré. Et donc, il y a un peu de discrimination quand même. Oui. Même beaucoup. Alors, oui. Après... Excusez-moi, il faut quand même distinguer discrimination et le fait que auto-sélection. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Hein. Là, il y a peu de femmes mathématiciennes aux États-Unis. Quand elles ont les mêmes résultats, elles ont les promotions qu'elles méritent. La discrimination, c'est que on ne vous donne pas ce que vous méritez parce que vous avez un genre, une ethnie. Ça, c'est la discrimination. Le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, ça ne veut pas dire qu'elles sont discriminées. Hein. Non, ça veut effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec ça, surtout avec le fait que les femmes n'osent pas. Enfin, je veux dire, on a un problème. Voilà, les femmes n'osent pas candidater. Souvent, elles candidatent quand elles sont sûres d'elles, et beaucoup ne sont pas sûres d'elles. Donc voilà. Enfin, c'est clair que dans le cas des candidatures du passage de maître de conférence à professeur, la question se pose. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'auto-censurent et qui ne candidatent pas au poste de professeur. Donc, comme dit Emmanuel, on ne peut pas parler de discrimination dans un tel contexte. C'est plus une tendance sexiste, mais qui s'explique. Ce n'est pas une intention de discriminer. Non, mais c'est ce qu'on voit aussi, c'est que les femmes ne choisissent pas les études mathématiques. Donc, si vous regardez aussi le pourcentage de femmes qui vont faire des classes préparatoires scientifiques, il est très faible. Il est moins de 30%.
alors qu'il est très important dans d'autres filières. Donc voilà, si déjà vous avez peu de femmes qui vont dans ces études-là, quand, ben voilà, petit à petit, vous retrouvez à la fin, vous n'avez plus personne. Et on revient sur la question du choix des disciplines. Est-ce que vous voulez prendre la parole, poser des questions ? Ben justement, là, je regardais le graphique, donc oui, où il y a le graphique juste avant, là où il y a eu une différence avec 5%, où ça a augmenté de 5%, ça a diminué de 10%. Et justement, avec ce que vous disiez là tout à l'heure, de passe, du renfermement, peut-être, en fait, ce serait pas plutôt, alors malgré toutes les tendances et autres, un retour un peu de l'enfermement dans un stéréotype, en fait, dans l'idée de. Comment dire ça ? De l'époque où oui, il y avait cette tendance à dire les femmes ne sont pas bonnes en maths, qui était un stéréotype vachement présent pendant une époque et qui visait justement à se réduire, qui visait justement à peut-être, je sais pas comment dire ça, mais peut-être un petit retour, enfin je sais pas comment dire ça, un retour de tendance, enfin je sais pas vraiment si, enfin je sais pas comment l'exprimer mieux que cela en fait. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle et je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Sur les stéréotypes, les choix des filles sont guidés par des stéréotypes de genre. S'il marche encore, bon. Oui, en soi, que, ben, quand avec les présences des stéréotypes, sans forcément qu'ils soient insinués, le stéréotype va faire que si l'individu n'en a pas forcément conscience, ça serait enfermé dedans, dont quand il est présent, les femmes risquent derrière de se réimbriquer dedans comme toute autre personne. Enfin, il y a des études avant là-dessus aussi sur d'autres populations, mais voilà. Bah c'est clair que les stéréotypes de genre sont présents et que je pense que beaucoup de femmes, beaucoup de filles, enfin en tout cas au lycée, sans doute ne choisissent pas les mathématiques parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas capables, que peut-être derrière il y a des études qui sont trop difficiles pour elles, alors que bon, c'est juste pas vrai, quoi. Enfin, c'est clairement pas vrai. Donc on sait très bien, il y a suffisamment d'études qui montrent qu'il n'y a aucune différence entre les filles et les garçons là-dessus. Donc c'est juste dommage. Surtout, encore une fois, je répète, on ne parle pas nécessairement d'aller faire des études de mathématiques après, etc., où il faut vraiment avoir un goût. Je pense que les filles qui abandonnent les mathématiques comme ça, elles n'ont pas de goût pour les mathématiques. Si elles en avaient un, elles continueraient. Donc on parle d'une population qui n'a pas spécialement de goût là-dessus, mais comme disait Emmanuel, voilà, on a tellement de carrières qui vont arriver dans le futur, qui vont demander à avoir des bases en mathématiques. C'est extrêmement dommage que des filles se censurent parce qu'elles estiment qu'elles ne vont pas réussir alors qu'elles réussiraient. Elles réussiraient clairement. On sait très bien, enfin, on avait des statistiques, par exemple au baccalauréat en 2012, proportion de femmes à avoir des mentions bien et très bien dans des bacs scientifiques de 39%, c'était 33% pour les garçons. Donc les filles réussissaient mieux, c'est quand même un pourcentage qui est assez différent, dans les bacs scientifiques. Donc voilà, c'est clair que les stéréotypes de genre freinent les filles parce qu'elles pensent des choses qui ne sont pas vraies. Et puis, alors, moi, je vous rejoins complètement. J'ai évoqué le fait que beaucoup d'enseignants n'aiment pas les mathématiques quand les enfants sont petits. Et moi, quand j'étais enfant, j'ai eu de la seconde à la terminale, j'ai fait une terminale scientifique, que des femmes profs de maths. Donc c'était facile quand même de s'imaginer faire des mathématiques si on n'a que des femmes qui font des maths. Aujourd'hui, je répète, il y a beaucoup de femmes qui sont enseignantes, hein, ça s'est très féminisé, et mes enfants n'ont eu aucune femme prof de maths, ils n'ont eu que des hommes. Je pense que c'est difficile pour... Et les enseignants de primaire, c'était des femmes, mais elles n'aimaient pas les maths. Donc cette combinaison fait que bon, les stéréotypes, c'est aussi véhiculé par la façon dont on les forme. Vous voyez, moi, ce n'était pas difficile de m'imaginer de faire un bac scientifique. Ce n'était pas difficile parce que les profs que je respectais, que je trouvais admirables, c'était des femmes. Donc voilà, ça ne me paraissait pas de la science-fiction. Et est-ce qu'il y a aussi finalement suffisamment de modèles de réussite de femmes dans les mathématiques ? La fameuse médaille Field, qui est l'équivalent du prix Nobel, hein, a été attribuée combien de fois à une femme ? Une fois. Sûre. Okay.
Une soixantaine, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas certaine. Il y a quand même un petit problème dans les maths. Oui, mais c'est pareil en économie. Hein. Donc non, c'est le fait que les femmes... Moi, quand j'ai visité le Panthéon, bon, je suis très vieille, mais il n'y avait pas de femmes au Panthéon. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas Marie Curie, par exemple, qui a eu deux fois le prix Nobel, quand même. Donc bon, ils avaient mis des illustres inconnus. Enfin, je suis désolée pour eux, hein, mais bon, moi... Mais il n'y avait pas Marie Curie. Il y en a six maintenant, je crois. Non, mais c'est juste pour dire que... Donc je vous rejoins. C'était dur de me projeter en scientifique, puisque visiblement, ce n'était pas un métier pour les femmes. Donc les rôles modèles, on appelle ça les rôles modèles, c'est très important, en fait. Parce que ça permet à des petites filles de se dire, oui, ben ça, c'est pour moi. Puisque, voilà. Donc, oui. Donc c'est ça que c'est très inquiétant de voir cette chute-là. Hein, parce que, à mon avis, là, il faut faire quelque chose. Quoi. Parce que, comme l'évoquait Anne, il y a plein de boulots qui vont se fermer. Pour les filles. Il va y avoir des effets sur les carrières et sur le recrutement. Bon, moi, quand on voit ça, évidemment, il va y avoir des effets. Mais je pense qu'au même au-delà de toutes les filières scientifiques dont on parle, qui ont besoin de mathématiques et que les filles se ferment finalement, je pense qu'il y a aussi le fait que même dans des carrières où on peut supposer que les mathématiques sont pas obligatoires, nécessaires, mais ça veut quand même dire qu'on va avoir des citoyens, enfin des voilà, des femmes qui ne vont pas être formées à des outils, basiques, qui leur permettraient quand même d'appréhender beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses du quotidien aussi. Hein, oui. Donc, tous les métiers utilisent des données, y compris les historiens, y compris les journalistes, en data journalisme, par exemple. Fait. Je pense que quand même... Les bases. C'est ça, de s'enlever toute cette possibilité de réfléchir à des problèmes alors mathématiques ou logiques, ou en lien avec les mathématiques, c'est quand même... triste pour notre société de demain, au-delà même des problèmes de carrière pour les femmes, parce que ça veut dire que ça va encore augmenter les inégalités. Finalement, on aura encore moins peut-être de femmes, parce que bon, on parle de modèles comme Marie Curie ou des gens comme ça, mais enfin moi personnellement, c'est pas spécialement mes modèles. Enfin, je veux dire, je vais pas m'identifier à des gens comme ça. Je vais m'identifier à des gens, on va dire un peu plus normaux, un peu moins exceptionnels. Donc si ces gens-là, on les a pas autour de nous, sans parler de ces gens exceptionnels, ben on va pas avoir envie d'aller continuer en mathématiques. Donc c'est un cercle vicieux à nouveau. Donc moi je trouve que c'est triste, parce qu'en plus je trouve que les raisons sous-jacentes ne sont pas justifiées. Il y a aucune raison qui justifierait le fait qu'on puisse dire à partir de très tôt finalement, à partir du collège, je sais pas faire des maths, je peux pas y arriver. On travaille un peu et puis on va y arriver. On saura pas. Exceptionnel, mais on va y arriver. Donc, c'est dommage, quoi. Emmanuel, vous vouliez sur la question des data et utilisées dans tous les domaines. Non, c'était pas ça. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que cette réforme Blanquer, elle s'est faite parce qu'en Europe, enfin ailleurs, c'est pas obligatoire les maths, en fait, au lycée. Donc, et ils font quand même des carrières scientifiques. Donc, je me dis qu'il y a aussi. Alors, ce qui m'inquiète, moi, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des gens qui arrêtent de faire des maths, c'est que les filles. Là, c'est des proportions. Ça, c'est par rapport à ce qu'elle faisait avant. C'est donc c'est ce truc genré, moi, qui m'embête. C'est pas le fait que des gens décident que les maths, ils en ont marre. Et ça nous interpelle aussi sur le fait que l'enseignement supérieur, par contre, étant très cloisonné par discipline. Alors, il y a les facs de lettres, il y a les facs de maths. Donc, ça veut dire qu'on peut pas mettre un minor. On peut pas dire à des gens, vous avez abandonné les maths, peut-être. Mais c'est pas grave, on va vous mettre à niveau. Ça, c'est pas possible en France. Ailleurs, ils le font. Parce qu'ailleurs, je répète, ce système, cette réforme, elle vient pas non plus d'un chapeau. Hein, elle vient d'une constatation que la sélection se fait sur les maths en France et que ça dessert des gens, donc on va l'enlever. Mais... réaction, c'est que les filles abandonnent, ça c'est horrible, et puis on n'a pas le système éducatif supérieur derrière pour compenser, qui rattraperait ou qui permet d'avoir une deuxième chance, ou de se dire, ah ben oui, j'en ai besoin, je fais des stats, bon, on va faire des cours. Bon, c'est pas très bien fait ça en général. Vous aviez une question? Oui, bonsoir. Ce que fait pas apparaître la courbe là actuellement, c'est finalement, est-ce que les effectifs globaux, en fait, au niveau des filières scientifiques, l'évolution de l'effectif global, est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt, finalement, aujourd'hui, pour les carrières scientifiques, pour les études, en tout cas, scientifiques, parmi les jeunes? Alors, effectivement, le rapport qui avait été envoyé contient aussi les effectifs, mais je ne les ai plus clairement en tête. Ce qui est... Il y a une chute des effectifs. Alors, vous voulez dire globalement, là, on est vraiment effectivement sur des proportions. Je n'ai pas assez clairement en tête les effectifs globaux et je ne saurais pas répondre à ça.
Maintenant, effectivement, si c'est le cas, c'est quand même un peu dommage parce que les emplois futurs, ça va quand même être beaucoup dans ces domaines-là. Donc ça, je ne sais pas répondre. Et cela dit, il y a toujours autant de personnes, garçons et filles, dans les écoles d'ingénieurs, d'ingénieuses et dans les universités, je suppose. Oui, enfin, je ne crois pas qu'il y ait une diminution à ce niveau-là. Ouais. Alors, il y a des diminutions, c'est vrai que dans les études mathématiques, par exemple, mais globalement, dans les études scientifiques, non, je ne pense pas. D'autant qu'en parallèle, il y a une création de plus en plus forte, de plus en plus importante de start-up technologiques et le développement d'entreprises technologiques. Là aussi, on a quelques éléments qui montrent aussi une présence relativement faible des femmes dans les secteurs du numérique et des entreprises technologiques. Alors, peut-être, je crois que c'est la suivante. Donc là, qui représente les femmes au poste technique et au poste de direction parmi vous reconnaissez les logos, les principales entreprises technologiques. Oui, là, c'était pour souligner le fait que voilà, là, c'est des données assez récentes, 2018-2019. Et donc, effectivement, dans ces principales entreprises, on voit qu'on a des chiffres relativement faibles au poste technique et au poste de direction, mais qui ne sont quand même pas si catastrophiques que ça. Enfin, quand on regarde, en tout cas dans certaines entreprises comme Facebook ou Apple, voire Amazon, et même Google, ça reste quand même raisonnable, on va dire, étant donné ce qu'on a dit précédemment. Mais bon, voilà, ça aussi, ça interpelle. C'est sûr que les femmes, comme l'a dit Emmanuel, elles sont plus nombreuses à avoir des diplômes supérieurs. Donc, on s'attend à les retrouver ensuite à des postes de direction. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison non plus qu'on ne les retrouve pas là. Et quand on voit ces chiffres, bon, ça peut être très inquiétant pour certaines entreprises. C'est peut-être un peu plus, on peut être un peu plus optimiste pour d'autres. Donc, on se dit qu'il faut continuer la tendance. Mais là aussi, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il y a des... Moi, je me dis qu'il y a des questions comme instaurer des quotas ou des choses comme ça. Moi, je sais que sur ce genre de choses, je n'ai pas un avis très tranché parce que je me dis que ça ne peut être que des méthodes, que des façons de procéder ponctuelles. On n'a pas envie, en tant que femme, d'être recrutée ou d'avoir un poste parce que c'est une question de quotas. Donc voilà, ça, je ne sais pas dans quelle mesure, dans ces entreprises, ce genre de politique a joué, puisque ça a quand même été un des objectifs de certaines entreprises d'introduire... Oui, de l'index de l'égalité en France. Exactement. Mais ce qu'on voit aussi sur ce visuel, c'est que finalement, c'est plus simple pour les femmes d'accéder à des postes de direction qu'à des postes techniques. Oui, c'est vrai, dans certaines... C'est clair. C'est clair. Tout à fait. Quel est votre regard d'économiste, vous, sur ce point, Emmanuel? Alors, mon regard d'économiste là-dessus, je ne sais pas trop. Je pense que pour les quotas, je ne sais pas. Parce que, par exemple, si on prend une boîte comme L'Oréal, qui vend exclusivement à des femmes, quasiment exclusivement à des femmes, il y a une quinzaine d'années, ils avaient toute la hiérarchie qui était exclusivement masculine. Alors, sachant en plus que, comme on vient de l'évoquer, depuis plus de 20 ans, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Donc, quand même, il y a quelqu'un qui a dû se dire ça va. C'est avant MeToo, mais bon, ils devaient quand même sentir que ça n'allait pas se passer très bien. Et ils ont eu la bonne idée de dire on va faire 50% de notre direction, à tous les postes, pas que quelque chose de visible. Sera féminisé. Bon, les performances de l'entreprise n'ont absolument pas bougé. Donc, je pense que des fois, c'est bien de se dire il faut le faire. Alors là, c'était pour des raisons, je pense, purement économiques. Ils comprenaient que, vu leur clientèle, ça pouvait vraiment leur nuire à terme en termes de communication. Donc, ils ont bien fait. Peut-être aussi de conviction, on ne sait jamais. Mais voilà. Donc, alors, une chose que je voulais dire, qui ne se voit pas sur ces graphiques-là, mais en 2008, donc, on a eu une crise majeure financière. Pour la première fois dans l'histoire moderne, en tout cas, la courbe du chômage aux États-Unis des femmes est passée en dessous de celle des hommes. Et depuis, elle est restée à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus qualifiées. Et donc, elles avaient de meilleurs emplois. Quand on est qualifié, on a de meilleurs emplois. Et du coup, elles ont été moins affectées par la crise. Donc, il faut bien comprendre que ça fait quand même pas si longtemps que ça que les femmes sont plus diplômées que les hommes.
D'accord. Et donc, ça prend un peu de temps d'exploser le plafond de verre et d'arriver à, si vous voulez, à être un peu plus visible donc, dans ces statistiques de direction. Donc, mais il faut se battre. Hein, c'est pas mon mari a fait de la politique. Il me dit le pouvoir, ça se partage pas, ça se prend. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a des combats à mener et sans doute des combats de quotas. Moi, je suis pas contre du tout, mais je suis aussi d'accord avec toi que ça doit disparaître à terme. Le but, c'est qu'il n'y en ait plus besoin. Voilà. C'est à vous si vous avez des questions à Emmanuel Auriol et à Anne Ruiz Gazin. Sinon, on poursuit. Je peux peut-être vous, si vous me donnez ce petit clicker, je vous ai amené à ces éléments qui viennent de Sista, qui est un collectif qui veut réduire les inégalités, alors là, de financement entre les femmes et les hommes entrepreneurs. Ce sont des chiffres, c'est une étude du cabinet Boston Consulting Group, du CENUM et de Sista, donc sur les conditions d'accès au financement des femmes qui sont dirigeantes de start-up. Et donc, l'étude qui date de 2020 montre qu'il y a une amélioration de la mixité dans l'entrepreneuriat et aussi dans le lancement dans le financement des start-up mixtes. Mais ça montre aussi que les équipes masculines sont toujours très privilégiées par les investisseurs. Donc, on a parlé de formation, on a parlé de présence des femmes à des postes de responsabilité dans les entreprises technologiques. Là, c'est un autre sujet, c'est la question du financement. Là, il y a quand même manifestement un énorme écart à combler. Puisque les femmes, quand elles fondent leur entreprise, ont besoin d'accéder au financement et que ce n'est pas si facile que ça. Donc, les femmes toujours, les équipes masculines toujours très surreprésentées parmi les principales levées de fonds en 2020. Donc là, ça peut paraître peut-être un petit peu rapide et caricatural. Il faut faire attention aux chiffres envoyés comme ça. L'étude est assez complète et elle montre qu'il y a une évolution là aussi positive et que toutes les questions de stéréotypes sont en passe sans doute d'avancer, mais voilà, il y a aussi on voit aussi qu'il y a une répartition inégale dans les montants levés, puisque au-dessus de 100 millions d'euros, il y a pas de femmes. Mais ça peut être ce qu'évoquait Anne, hein, de l'auto-sélection, enfin le fait que on a tous des biais cognitifs, hein, et c'est vrai que, par exemple, les journalistes se plaignent souvent. Bon, ils sont pas tous très honnêtes, je pense, mais parce qu'ils font pas toujours des efforts de chercher des femmes experts, mais ils se plaignent qu'ils appellent une femme et on leur dit oui, non, mais ça, je connais pas exactement ce sujet, donc je veux pas en parler. Un homme, bon, demandez plutôt à mon collègue. Et là, un homme, oui, bon, il est économiste, il va parler de n'importe quoi en économie, c'est pas grave. Bon, je crois que c'est une caricature. Voilà, ça peut être aussi parce qu'on appelle toujours les mêmes, c'est plus facile, mais c'est vrai que il y a des études en behavioral, ça c'est très intéressant, justement sur ces biais cognitifs. Et donc l'étude en question là, c'était sur des vendeurs des représentants qui vendent des meubles aux États-Unis, donc c'est sur tous les États-Unis. Et donc ce qui montre, alors ces vendeurs, ils ont des performances objectives, quantitatives, de meubles qu'ils vendent. Et donc, ils ont testé, ils ont fait ce qu'on appelle un random control trial. Donc, c'est une étude randomisée, contrôlée, hein, où ils ont varié un peu les informations qu'ils donnaient à ces vendeurs. Et donc, ils leur donnaient leur classement. Combien ils étaient bons comme vendeurs. Et alors, ils leur donnaient des classements régionaux. Donc à l'échelle, à la taille du comté peut-être, ou je sais pas, après de l'État, puis des États-Unis. Et ils leur demandaient en même temps comment eux ils se voyaient dans le classement. Ils avaient des vendeurs hommes et des vendeurs femmes. Et évidemment, le but de l'entreprise, c'était de comprendre qu'est-ce qui peut inciter des gens à travailler plus, donc à vendre plus de meubles. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette étude, c'est que les hommes se surestiment dans cette étude. Hein, donc, c'était il y a quelque temps, mais ils pensaient toujours qu'ils étaient meilleurs que ce qu'ils étaient en termes de vente. Et quand on leur donnait leur vrai classement, donc lui se voyait premier alors qu'il était peut-être que cinquième, voilà, et ben ils baissaient leur performance du coup.
parce que ça les décourageait en fait de voir qu'ils n'étaient pas aussi bons qu'ils pensaient. Les femmes, elles s'évaluaient justement, et quand on leur disait leur classement, elles s'en foutaient complètement, ça ne changeait pas leur performance. Donc c'est le genre de choses, vous voyez, et c'est peut-être hormonal, les hommes ont de la testostérone, voilà, on n'est pas équipé exactement pareil hein, physiquement. Mais cette étude-là en particulier suggère effectivement qu'il y a une confiance qui est très utile hein, pour l'humanité, pour notre survie, le fait qu'on traverse un océan, on ne sait pas où on va ou qu'on va sur la Lune. Mais enfin, il faut quand même avoir confiance un peu en soi, à sa capacité à surmonter les épreuves. Donc ça, c'est peut-être différent entre les sexes, justement. Et donc ça veut dire que vous allez oser des choses quand vous êtes un homme, que peut-être vous n'oserez pas quand vous êtes une femme. La bonne nouvelle, c'est que quand on connaît ces biais cognitifs, on peut les corriger. C'est pour ça que c'est intéressant, la recherche. C'est que c'est bien. Vous pouvez vous dire, peut-être là, je suis trop optimiste, ou au contraire, oh, allez, vas-y, j'y vais. Vous faites référence à des études de comportement. On sait qu'à Toulouse, il y a l'IAST au sein de TSE. Peut-être on peut donner une idée des disciplines avec lesquelles travaillent les économistes, avec lesquelles vous travaillez. Alors les économistes, on a eu pas mal de succès en fait, je pense en tant que discipline. Et en particulier parce qu'on a une stratégie effectivement d'inclure les savoirs des autres disciplines. Donc le behavioral, hein, c'est des sciences du comportement, mais qu'on applique évidemment à l'économie. Et donc ce qu'on importe, nous, parce que les sciences sociales, elles ont toutes les mêmes problèmes en fait. Quand on fait des sciences sociales, la difficulté, c'est ce que j'évoquais au tout début, c'est de montrer proprement des causalités. Quand on vit, on est un être humain, il y a plein d'interactions, il y a plein de choses qui se passent, c'est très très difficile. Donc par exemple, de montrer que les femmes sont discriminées, c'est très difficile à montrer. Il ne suffit pas de dire qu'elles sont payées 20% de moins. Ça, ce n'est pas montrer qu'elles sont discriminées. Parce que si elles travaillent, elles ont un 80% ou qu'elles rentrent plus tôt parce qu'elles s'occupent des enfants, c'est normal qu'elles n'aient pas les mêmes salaires qu'un homme qui va rester plus tard, par exemple. Hein ? Donc la discrimination, ce n'est pas juste comparer des chiffres par genre, c'est autre chose. Et cette difficulté à montrer, par exemple, la discrimination, donc des liens causaux, c'est vrai dans des tas de disciplines, la psychologie, les études de sciences comportementales, etc. Et donc, notre façon de traiter ces problèmes en économie, elle se transpose très bien dans d'autres disciplines. Et c'est pour ça qu'on a du succès. Donc, effectivement, à l'IAST, il y a des gens qui font de la science politique, mais là, c'est de la science politique pure, c'est-à-dire ils ne sont pas économistes à la base. On a eu des philosophes à une époque, on a des sociologues, etc. Donc c'est un centre où on fait des disciplines qui sont connexes à l'économie, et on pense que cette pluridisciplinarité, elle est fructueuse intellectuellement. Il nous reste 3 petites minutes si vous voulez poser quelques questions. Sinon je chante, hein, méfiez-vous. Anne, je vous en prie. Je voulais juste rajouter peut-être un petit point par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les filles qui n'auraient pas fait des mathématiques au lycée. Alors, je dis les filles, il y a aussi les garçons. Mais en fait, à l'école d'économie, ça, c'était par rapport à une remarque d'Emmanuel, à l'école d'économie, on a quand même maintenant la possibilité, même en ayant fait peu de mathématiques, voire pas de mathématiques en première et terminale, de rattraper finalement et de suivre quand même des études d'économie à l'école d'économie de Toulouse. Avec, dans ce cas-là, ben, beaucoup de cours de mathématiques en première et en deuxième année pour rattraper ce qui n'a pas été fait au lycée, quoi. Voilà, c'était juste pour dire que quand même, tout n'est pas perdu pour les personnes qui n'auraient pas fait de mathématiques en première et terminale. Donc ça veut dire que c'est une année spéciale ou c'est intégré dans le cursus ? Non, c'est pas une année spéciale, c'est un petit peu... les étudiants, on leur propose d'avoir des cours de mathématiques supplémentaires, donc c'est un programme adapté à des étudiants qui viendront de baccalauréat sans mathématiques. Voilà, c'est pour dire qu'il y a quand même des efforts qui sont faits pour essayer de faire en sorte que des gens qui auraient envie d'aller faire des études d'économie puissent quand même les faire sans avoir fait des mathématiques au lycée à la fin de leurs études. Oui, c'est un bon point à rajouter au regard de ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous, en tant que mathématicienne, est-ce que vous travaillez avec d'autres disciplines ? Ben oui, quand on travaille sur des problèmes appliqués, on rencontre des gens de différentes disciplines. Donc oui, effectivement. Alors ça peut être... par exemple, je pense à Airbus, ça va être des ingénieurs de l'aéronautique, hein, typiquement, avec lesquels je vais travailler. Ça peut être avec des économistes sur des projets liés avec
l'économétrie notamment. Voilà, donc oui, on travaille, on est amené à travailler avec différentes personnes de différentes thématiques. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que, moi, je trouve l'un des intérêts de mon travail, c'est de pouvoir rencontrer des gens très variés, comme disait Emmanuel, intelligents, mais qui viennent de formations complètement différentes, et de pouvoir interagir avec eux et avancer avec eux et proposer des solutions qui les intéressent. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, et là, sans doute, il est trop tard, c'est la question de l'intelligence artificielle. On n'a pas utilisé le terme, qui nécessite bien évidemment des compétences en mathématiques et ce sur quoi travaillent beaucoup TSE, les données, les data. C'est peut-être ça aussi un moyen d'encourager les jeunes femmes à s'orienter vers les maths. Oui, alors... À TSE, notamment, moi, ce que je connais bien, c'est que je dirige un master qui est orienté justement en data science et statistiques et économétrie, où on forme beaucoup de gens donc, sur des métiers de la data, de la donnée. Et là, bon, c'est quand même assez positif à TSE parce qu'on est relativement équilibré, filles-garçons. Moi, j'ai des promotions entre 30 et 40 étudiants qui sont très équilibrées filles-garçons, avec derrière ben, beaucoup d'emplois, effectivement, en tant que... scientifique de la donnée, data scientist comme on dit, ou statisticien, économètre. Donc ça c'est aussi positif. On forme des étudiants qui trouvent assez facilement un emploi, avec quand même un background d'économiste. Hein, donc c'est ça qui est intéressant à l'école d'économie, c'est qu'on va avoir des gens qui font des mathématiques, mais qui ont aussi des compétences en économie. Donc c'est intéressant. Par rapport au type de métier que vous signalez en intelligence artificielle, avec des méthodes d'apprentissage statistique et tout ça. Merci à toutes les deux. Merci Anne-Ruiz Gazin, merci Emmanuel Auriol. Bonne soirée. Alors, c'est pas tout à fait fini pour nous.